Salut tout le monde, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons voir ensemble, les attaques fulgurantes du dragon de Komodo. Mais tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux et celles qui se sont abonnés sur cette et qui m'ont fait des dons. Merci encore à vous, si toi aussi qui regardes cette vidéo tu veux me soutenir, alors tu peux me faire un don dans la description de cette vidéo. Merci pour ton soutien, et aussi, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Bien, passons maintenant à notre vidéo. Je tiens à préciser que cette vidéo contient des images choquantes. Ainsi, si vous n'êtes pas habitué aux images choquantes, alors je vous invite à aller voir une autre vidéo sur ma chaîne. Merci pour votre compréhension. Les dragons de Komodo sont l'un des lézards les plus impressionnants et les plus imposants de notre planète. De ce fait, il n'hésite en aucun à s'en prendre à plus gros que lui lorsqu'il a faim. Ce géant lézard a une étrange et toxique salive avec laquelle il neutralise et dévore ses proies. Nous allons voir aujourd'hui 3 attaques de dragons de Komodo sur des animaux. Asseyez-vous confortablement. Dans la première attaque, nous pouvons voir le dragon de Komodo prenant en chasse un pauvre cerf adulte sans renoncer. Celui-ci ne lâche pas sa cible jusqu'à l'avoir attrapé. Le cerf essaye malgré tout de se défendre mais une simple morsure du dragon de Komodo l'achèvera car celui-ci disposant d'une salive très toxique qui affaiblit petit peu la proie. Quelle fin tragique pour l'animal, n'est-ce pas? Voici un autre cerf qui s'est retrouvé pas face à un mais deux dragons de Komodo. Vous conviendrez avec moi que celui-ci n'aura aucun moyen de s'échapper, même pas sous l'eau. Dans la deuxième attaque, nous pouvons voir un dragon de Komodo recherchant forcément quelque chose à se mettre sous la dent, comme un buffle par exemple.
Celui-ci finit tout de même par trouver un petit bébé buffle avec lequel il pourra se satisfaire. L'agressivité et l'instinct animalier dominent celui-ci, torturant ainsi sa proie afin de la dévorer entièrement. La maman du bufflon ne pouvant rien faire face à cet imposant prédateur, se contente tout simplement de regarder la scène sous les cris de son petit. Dans la troisième attaque, la plus triste d'ailleurs, nous pouvons voir un dragon de Komodo s'attaquant à un gros bœuf sans avoir une quelconque pitié à l'égard de celui-ci. Le déchiquetant ainsi de partout sur le corps à travers des morsures très sanglantes qui font affreusement souffrir l'animal. Ce gros lézard, en plus de torturer sa proie, ne prend même pas la peine de la finir, laissant ainsi sa proie agoniser pour une mort très douloureuse. Comme bonus, voici une autre attaque de dragon de Komodo, mais cette fois sur des serpents. Regardez la férocité avec laquelle ce gros lézard détruit et dévore ses proies sans la moindre pitié. C'est tellement affreux. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et aussi, vous pouvez si vous le voulez, me soutenir à travers un don dans la description de cette vidéo. Merci pour votre soutien et à bientôt pour une nouvelle vidéo.